Oriental poison. Yo tout le monde, c'est Momo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi aujourd'hui ça va nickel. On se retrouve pour je réponds à vos questions numéro 2. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier pour les 8000 likes, on a explosé Abdel. Merci, si vous pouvez faire plus, essayez les gars. Merci, voilà. Et au niveau des commentaires, j'ai vu qu'on n'avait pas trop le même avis, voilà. Parce qu'on n'avait pas forcément le même âge, qu'on pensait pas forcément pareil, qu'on regardait pas forcément les mêmes choses, voilà. Et aussi, je voulais faire une deuxième partie, mais Abdel était pas trop chaud chaud, les marrons chauds, si vous m'avez compris. Et Lia m'a dit, viens on la fait. Donc Abdel était d'accord et tout ça, donc on a pu la faire. Donc c'est parti. Alors, cette question a été tournée pour Abdel, mais finalement c'est toi qui vas y répondre. Donc, depuis quand Momo veut faire une chaîne YouTube ? Déjà, une chaîne YouTube, c'était dès qu'on avait fait, pour les anciens, vous devez vous en rappeler, le premier essai de Paris, vous vous rappelez, on avait délire, etc. Après, j'ai commencé à faire des vidéos avec Abdel, donc c'était marrant, etc. Après, j'ai pris l'habitude de faire des vidéos. Après, j'ai fait des live Twitch. Après, on a commencé, voilà, dans tout ce qui est Twitch, Internet, etc. J'ai commencé à connaître et j'aimais bien faire les vidéos. Ensuite, j'ai proposé à Abdel de faire une chaîne YouTube. Il m'a dit que j'étais trop jeune. Donc, j'ai dit d'accord, la prochaine fois, c'est pas grave. Donc, pour une chaîne YouTube, ça sera dans longtemps, on peut dire ça comme ça. Et les gars, je n'ai pas de chaîne YouTube. Parce qu'il y a un fake qui tourne, je sais pas ce que c'est, mais je n'ai pas de chaîne YouTube. Voilà. Momo, à la rentrée, vas-tu acheter Infini Warfare sur la PS4? C'est pas moi qui vais l'acheter. En fait, la question qui aurait dû être posée, c'est Gaming 13, vas-tu acheter le nouveau collab à Momo? Voilà, donc oui, je vais me le faire acheter sûrement. Tu vas te prendre un pan dans la gueule surtout, tu vois. Ouais, les gars, je l'achèterai, y'a pas de sauce, je l'achèterai. Momo, t'es plutôt Pokémon Go ou COD? Call of Duty. Call of Duty. Tu feras plutôt du gaming ou des vidéos drôles, sinon j'attends ta chaîne, bisous. Donc pour ma chaîne YouTube déjà, comme je vous l'ai dit, ça sera si je serai un peu plus mature, si je serai un peu plus vieux, si j'aurai des bonnes notes, etc. Voilà, vous m'avez compris, je pourrais me faire ma propre chaîne YouTube. Et pour le contenu que je ferai, ça sera des gameplay, des let's play, des fois des vidéos IRL, pourquoi pas, et voilà. Auras-tu assez de temps pour les montages, les vidéos, sachant qu'il y a les cours? Sinon, Abdel et Momo, vous êtes géniaux. Abdel a tout le temps raison dans les débats. Faut savoir que l'école passera avant tout. Je vous explique. Si j'ai des difficultés en maths, ça passera avant. Si j'ai une vidéo à faire, c'est dès que j'ai du temps à casser. C'est dès que j'ai du temps libre. Et il faut que je consacre l'école avant parce que c'est le plus important pour moi. Après, on verra si j'ai le temps, etc. C'est dès que je finis mes devoirs que j'ai du temps libre. Tu es déjà venu en Tunisie et quand tu vas y aller? Je suis jamais allée en Tunisie, mais pourquoi pas y aller? Je ne déteste pas la Tunisie. Au contraire, j'aime bien la Tunisie. J'aime bien nos frères qui mangent de la rissa, ne s'inquiétez pas. Je suis jamais allée, mais pourquoi pas y aller un jour, oui. Si tu aurais 1 million, dans quoi tu l'utiliserais? La première chose, c'est donner de l'argent à ma famille. Ça, c'est sûr. Ensuite, pourquoi pas m'acheter un équipement YouTube pour commencer YouTube? Ensuite, s'il me reste de l'argent, je les garde. Je les garde pour moi. Attention, j'ai pas précisé. J'ai pas dit la somme que je donnerai. Donc Alia, je donnerai 100 euros. Abdel, je donnerai 50 centimes. Ou moi, si je fais des bêtises. On continue. Alors, voici ma question. Pour Momo, aimes-tu les mangas? D'ailleurs, merci pour ta question. Et les mangas, non, je suis pas trop manga. Des fois, j'essaye de lire, mais après, je lis pas trop le livre entier. Est-ce que tu regardes un peu de manga à la télé? Non, je ne regarde pas de manga. Je suis plus dessin animé. Sur Gulli. La météo de Gulli. On continue avec la question de Rala qui te demande si c'est compliqué de gérer les streams d'Abdel. En fait, non, c'est plus du plaisir parce que les insultes, en fait, je fais pas trop gaffe, en fait. Je m'en fous un peu. Voilà. Et en fait, je me régale plus à faire des streams. Voilà, j'aime bien faire des streams. Alors ça, c'est une question de John qui te demande quelle vidéo tu préfères faire avec ton frère. Déjà, merci John pour ta question. Les vidéos que je préfère faire avec Abdel, ça reste les défis et les essais de ne pas rire. Je me régale à faire ça. Et les dégustations, t'aimes bien? C'est pas le meilleur, mais je préfère les défis. C'est plus mortel. Homo, on finit avec la question de Adrien qui te demande quel est ton plat préféré. Mon plat préféré, c'est le taboulé. J'aime bien le taboulé. T'aimes bien le taboulé? Ouais. Et ben voilà, terminé.
Voilà, la FAQ est terminée. N'hésitez pas à partager, donner votre avis dans les commentaires et liker. N'hésitez pas à liker, les gars, faut qu'on batte le record des 8000 likes. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, moi j'ai aimé la faire. C'était un plaisir de vous faire ça. Voilà, je vous dis à la prochaine pour de prochains défis ou dégustations ou live. N'hésitez pas à venir d'ailleurs. On est en live de 21h à 2h du matin. Voilà, n'hésitez pas à venir. La plupart du temps, c'est pas 2h du matin, c'est plus 4h. Et voilà, j'en passe. Hein. Voilà, donc c'était la fin de la vidéo. Je vous dis merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir écouté. Et je vous dis ciao.